tout le monde. Aujourd'hui, on va se faire un nouveau world record. Donc, jamais il a été inventé, hein. J'ai regardé un peu de partout. Jamais vu ça. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas le faire? Ça peut être marrant. Donc, du coup, on va se faire ça sur Nuketown. Et en fait, ça va consister à faire des tirs dans la tête, avoir du 100% kill et tir dans la tête. Donc voilà, ça risque d'être relativement pas mal. Du coup, on va essayer ça. On va faire ça sur Nuketown. Comme ça, on va établir notre premier world record de kill tête. Allez, c'est parti. Allez. Non, oh là, on va se faire. C'est un bon petit world record. Bon, bah du coup, après, bien entendu, je vous invite à faire des world records sur les autres maps, à battre le mien sur Nuketown. Voilà. On va se faire un nouveau genre de world record. Ça va être génial. Ça va être bien, ça. Ça va être génial, génial. Allez. Bon, bien entendu, hein, dès le début, faites pas comme moi, parce que moi, 3 fois d'affilée comme un con, j'ai foutu des couteaux. Bon, voilà, quand tu recommences 3 fois en mettant arrêté, comment c'est parti, c'est un peu chiant à la fin. Du coup, tirez bien dans la tête, ne faites pas les cons. Par contre, un truc qu'il faut pas faire, hein, je préviens, parce que ça m'est arrivé tout à l'heure. J'étais à 15 kills, là, je tire dans la tête. Bon, normal, le zombie, il marche encore. Réflexe, coup de couteau. Eh ben, ça m'a pas compté le tir dans la tête. Du coup, vaut mieux pas le coup de couteau. Bon. Vous voyez là, hein. Une illumination, un tir dans la tête, parfait. Dégage. Voilà. Donc j'ai bien regardé, hein, donc normalement ça n'existe pas, j'espère que non. Bon, on verra bien, hein. Mais bon, normalement, ça doit être la première fois qu'on fait un truc comme ça. Faut dire aussi, hein, faut y penser quand même, un truc de merde. Enfin. Ah putain. Oh mais, pas me casser les couilles. Merci. Mais tu vas là. Ah mais j'ai pas assez. D'accord, j'ai pas. Non mais j'ai pas assez, c'est normal. C'est tout à fait normal. Hein. Tu te fous de ma gueule toi? Merci. Sympathique. Mais il est où? Quelqu'un? You? Ah tiens. Et bah voilà. Bon, là on a combien? 6-6. Bon, par contre, pour World Record, hein, c'est la dernière donnée qu'on a, qui est égale aux illuminations et aux tirs dans la tête. Donc, par exemple, j'imagine, un moment où vous regardez comme ça, vous avez du 142-142. Et la prochaine fois que vous regardez, vous avez, par exemple, du 146 mais 145. Du coup, bah, le record qui sera pris, forcément, c'est 142-142. Ouais. Parce que c'est la dernière valeur sûre qu'on ait. Donc, on va pas mettre 145-145, parce qu'on n'est pas sûr. Donc du coup on va regarder la dernière valeur. Voilà. Et sinon après vous passez par le studio, hein, le mode studio, puis voilà, vous montrez la dernière valeur qu'on connaît, écoutez au moins. Vous êtes sûr que vous avez le maximum. Voilà. Ça c'est bon. Donc on est toujours à 11-11. Ça c'est génial ça. Alors. Bon, mais c'est quoi ce délire? Ah merde, putain, vas-y. Attends, deux secondes. Hop là. Oh non, mais c'est dur. Oh, vas-y, allez faire foutre. Bon. Ah, mais en une balle, hein. Paf. Ça, c'est bon. Ça. Non! Non! Putain, fuck you. Bon, on va dire que c'était un niveau test, hein. C'est pas ça mon world record, hein. C'est pas 13-13, hein. C'est sûr que non. C'est un peu pas beaucoup en fait. Du coup, ouais, on va faire mieux. Hein. On va dire que c'est une phase de test, une phase de présentation. Voilà. Du coup, maintenant, on va faire le vrai world record. Bon, cette fois, vrai world record. Merde. Oh putain. Oh, mais vas-y, je vais te niquer, mon gars. Oh, bah vas-y, va te faire foutre. Connasse. Non! Non, mais vas-y, mais... Tu vois, je vous avais dit tout à l'heure, ne pas foutre de coups de couteau. Vas-y, ça casse les couilles, putain, mais c'est... C'est hallucinant, mais ça casse les couilles, mais un point. Non, vas-y, je suis obligé de quitter et remettre, quoi.
Bon. Tentage 3 du World Record. On va y arriver, on va y arriver. Bon, bien entendu, hein, vous avez le droit d'ouvrir les portes, tout ça, de prendre des caisses, machin, on s'en bat les couilles. Hein. Bon, par contre, juste un truc, éviter le laser. Hein. On peut pas faire des tirs dans la tête avec. Donc, voilà, il faudrait pas... C'est jamais comme ça, hein, vous savez pas qu'on peut pas faire 10 kills avec. Vous tirez dans la tête, machin, vous avez fait 100 kills et tout. Puis là, boum, pas tir dans la tête, vous avez le démon, quoi. Faut bien prendre des bonnes armes qui tirent des balles, ça va très bien. Ne jamais foutre de coups de couteau. Ne jamais lancer de grenade. Ne jamais prendre d'explosif. Donc le laser et compagnie. Ouais, c'est un explosif. Je crois que j'ai déjà réussi à faire un kill dans la tête avec le couteau, mais c'est assez chaud. Donc. Bon, c'est le début, forcément c'est facile. Hein. Je cours pas trop, machin. Non! Non! Mais non! Vous avez vu, c'est un putain de piège. Hein. Je sens que ce world record, il va péter sa merde. Franchement, je sens que ce world record, il va être bien, bien chiant. C'est parti, allez, quatrième tentative. Tiens. C'est toi le Vats Douette, là, je peux quand même. Ah, bah t'es là, toi. Hein? Tranquille, easy. Hop. Mais où ça? D'où ça? Non! Mais il vient d'où ce putain de... Oh putain, bon, bah, on va faire une petite cinquième tentative, hein? Bah oui, normal, easy. Pff. C'est parti, cinquième tentative. Non, il est pas là-bas. Oh, c'est le pire endroit, putain. Oh là 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 là. Ça, ça veut dire que je vais réussir mon world record. Me foutre dans la merde, je réussis. Forcément. Bon. Donc là, tu fais ça. Hop, tu cutes le temps. Comme ça. C'est un peu compliqué. Oh putain. Non. Putain de bordel de merde. Fuck. Allez, on est chaud pour une cinquième temps. Sixième tentative. Sixième. Chaud pour une sixième tentative. On va y arriver. Bientôt, je vais dire chaud pour une 600e tentative. Sympathique. Alors, à mon avis, je pense qu'il faut favoriser les snipers. Si possible, les snipers sans viseur. Ce serait le top du top. Bon, par contre, j'irai pas me faire chier à faire un world record de malade mental. Hein. Je vais faire juste... Ah, putain, vas-y, commence pas, toi. Comment ça se fait que t'es déjà là? Franchement, tu vas vite. Je vais pas me faire chier à faire un world record de malade mental. Je vais juste en faire un comme ça, easy. Genre une bonne centaine, si possible. Non, mais putain, mais arrêtez de m'attaquer, j'ai rien fait. C'est l'autre, là, qui vous a fait quelque chose. Non. Oh, putain, j'ai eu chaud. Oh là là. Ouais, il faut que j'arrête les conneries. Moi. Non. Non! Vas-y, en fait, c'est impossible, quoi. Putain. Putain, tout à l'heure, je vais mettre le calque, je vais mettre ma musique à moi, parce que là, j'ai vraiment que de la merde. À mon avis, vous l'entendez pas, mais franchement, c'est de la merde. Moi, je dis... T'achètes le CD, et puis là t'as un code spécial que tu dois rentrer à un endroit, sur un site, pour avoir les autorisations de diffuser sur internet, pas sur le net, sur, de diffuser on va dire en arrière-plan la musique sur sur tes vidéos quoi. Donc en gros, pas tu mets juste la musique quoi, c'est genre tu fais ta vidéo machin, puis derrière t'as la musique pour accompagner. Ça serait pas mal, ça, de ça, tu vois. Avec 2-3 règles comme ça. Mais que tu puisses faire ça. En achetant le CD. Moi, j'ai pas de soucis, j'achète ton CD, tu sais. Mais non, vas-y. C'est des bouffons. Enfin, on n'est pas libre, moi, je dis. On est libre du moment où on fait les choses soi-même. Et seulement, bah, c'est un peu trop compliqué, tu vois. Si tu dois commencer à faire tout toi-même, enfin. Voilà, c'est trop chaud. Non, mais non, merde, j'avais fait un coup de couteau, moi. Oh là 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 là. Je suis vraiment trop con. Oh. Putain, mais vous êtes... Non!
J'étais obligé. Non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Putain, mais c'est pas possible. Mais t'es sérieux là, mais. Je vais jamais y arriver. C'est pas possible, j'ai jamais. Non, mais c'est pas possible. Non, on est des fous, on est des fous. Ça, c'est de la musique, ça. Enfin, de la musique, pas vraiment, mais on va dire que c'est déjà bien. C'est parti, on retente pour la 8 ou 9e fois, je sais plus, j'en ai tellement fait. Je pense qu'après une bonne vingtaine d'essais, je vais y arriver. Non! Mais, oh putain, mais c'est quoi ce jeu de merde? Mais regarde, mais t'as fait 4, oh t'as fait 5 kills, t'as déjà plus le même ratio quoi, mais c'est pas possible là, putain. Mais... C'est quoi ce jeu, franchement, si t'es obligé de je sais pas, putain, tu tires dans la tête? Non, vas-y, t'as pas tiré dans la tête. Hey Woods, t'es un zombie ou pas? Non, je suis pas un zombie, laisse-moi te manger. Ah, t'es pas un zombie, mais tu veux me manger, d'accord. Bon, bah, je me casse, hein. Hey Mason, es-tu un zombie? Non, je suis pas un zombie, mais laisse-moi te... Alors, Mason est un peu bizarre. Moods est complètement taré. Qu'est-ce qu'on fait? Puis Triarch, ils ont dit. Ouais, mais vous avez pas découvert tous les secrets, je sais pas quoi, enfin, tous les trucs. Mais ça se trouve, il y a des trucs sur Noctom. Moi, il devrait nous dire qu'est-ce qu'on a trouvé, qu'est-ce qu'on a pas trouvé. Enfin, ouais, non, c'est pas celle d'air. Mais sur quelle map on a trouvé, sur quelle map on a pas trouvé. Ça serait super génial. Il devrait nous annoncer ça après la sortie de Black Ops 3. Il nous annonce, ouais, sur Black Ops 2, vous avez oublié sur ça, sur. Enfin, vous avez oublié des trucs sur telle map, machin. Black Ops 1, vous avez oublié. Ça, ça serait assez sympathique pour pouvoir chercher quand même des endroits, enfin avoir un peu d'indices quoi, tu vois. Parce que c'est des vrais connards au final. Il nous dit, bon, bah, il manque des trucs. Mais on vous dit pas où c'est. Ça se trouve, c'est sur World at War, tu sais, qu'il nous manque des trucs. Je crois qu'ils avaient dit sur Black Ops 2 qu'il nous manque des trucs. Enfin bon, c'est pas assez précis quoi. Il faut dire la map au moins, tu vois. Quelle map il nous manque des trucs, quelle map il nous manque pas. Puis après, si pour eux il nous manque. Je sais pas, un objet qu'on a pas vu, waouh, super, qu'est-ce qu'on a à foutre. Enfin bon. Faudrait que ce soit un truc assez compliqué. Oh putain. Et qu'ils nous disent quand c'est que on a trouvé la chose en question. Hop là, tu sais, maintenant je vise bien la tête parce que les plus 70, ça m'a bien cassé les couilles. Ah, je suis à 13. Bon, pas encore battu mon propre le corps qui est de 15. Mais bientôt, bientôt. 14, 14. Je vais pas se faire niquer. Toujours 23, voilà, mon record 23, ça c'est bon ça. Tu vois, une fois que je mets plus de musique, hein, mon cerveau il est bien concentré. Hein. Pas, on se fait pas chier. Getting over the wear man. Ok, 29. C'est bon ça. Ah, chaud, chaud. Putain, il bouge trop ce fils de pute. Tu sais, il balance et tout cet enculé. Histoire de bien faire chier. Histoire de bien casser les couilles, il balance et tout. C'est trop chiant. Oh oh oh. Putain, mais c'est trop chaud. Il suffit que tu fasses n'importe quoi et c'est bon. Ne jamais prendre. Ah, quoi qu'une bombe nucléaire. Hein. Mais bon, vaut mieux pas. Quoi. Que de temps quand ça t'endurcit la chose. Putain. Ça, c'est de la dureté. Non. Oh, putain. Oh, il serait mort, franchement. Non! C'est pas dégueulasse. Putain de sa mère, c'est pas dégueulasse. Hein.
Alors juste comme ça, une petite astuce, avant de vous montrer le truc, hein. Je viens de l'apprendre, hein, l'astuce. Hein. Vous restez appuyé sur, par exemple, vous voulez avancer en rapide. Vous restez appuyé, vous mettez là où vous voulez. Donc, par exemple, vous avez mis, vous voulez mettre du 3-2. Hop, ou même du 3-4, tiens, on y va. Là, vous appuyez sur back et vous relâchez. Et puis voilà, vous avez ce qu'il faut. C'est pas magnifique ça? Tu sais, vous faites pas chier. Alors, restez appuyé comme des cons. C'est nul quoi. Voilà. Bon, après, voilà, vous appuyez si vous voulez enlever. Hop, c'est pas bon ça? C'est peut-être une astuce de merde. Mais malgré tout, ça peut aider des fois. Hein, on sait jamais. Voilà, c'est comme ça, si je peux aider, hein, c'est gratuit. Voilà, donc bah, je vous dis à tout de suite pour le rôle de record, hein, pour voir combien c'était 37 ou 38. Donc là, on est à 38. Et là, franchement, je ne vois pas en quoi je n'ai pas tiré dans la tête. On est bien d'accord. Regardez. Là, on voit très bien. Au ralenti, j'ai même fait encore plus ralenti que ça. Merde, c'est le prix. Hop là, regardez. Le super ralenti de fou. Regardez, c'est pratique pour maintenir le ralenti, ce que j'ai fait. Regardez bien. Hop, dans la tête. Mais dans la tête, mon gars. Et ça l'a même pas fait. 70 alors que j'ai tiré dans la tête. Qu'est-ce que tu veux? Non mais je sais pas quoi. Il y a un moment, le jeu il est buggé. Ça se voit. Putain, du coup je suis à 38. 38 sur 38. Mais franchement. Moi je comprends pas. Voilà. Bon, bah du coup. Je vous dis bah à plus. Hein, à une nouvelle vidéo. En attendant Black Ops 3, je vais essayer de faire par exemple des... Sur World at War, des maps zombies custom. Hein. Je vais essayer voir hein, si jamais j'en trouve des pas mal. Même si ça a déjà été fait, voilà. Hein. Bon, c'est pas grave. Disons que laquelle n'a pas été faite. Bon. Donc malgré tout, ouais, je vais essayer de voir ça. Histoire de faire quelque chose en attendant Black Ops 3. On est mardi. Dans 3 jours, il sort. Ça va être génial. En espérant qu'il soit à 50€ et pas à 60€. S'il y en a un, il dit, mais non, mais en fait, il va être à 50$, mais à 60€. Ah oui. Donc voilà, on verra bien. Bon, bah du coup, moi, je vous laisse. Je sais pas quand, hein. J'en sais strictement rien, peut-être à demain. Truc dans le genre, je sais pas, je verrai bien. Voilà. Bon, bah c'est déjà bien, 38... 37 38. 38. 38 tirs dans la tête, c'est déjà bien. Essayez de battre leur corps. Si vous y arrivez, tant mieux. Si vous y arrivez pas, c'est pas normal. Bon, du coup, il perd rien à dire. Donc, si jamais vous voulez m'envoyer une vidéo pour le World Record, hein, c'est jamais, bon. Je sais bien qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont voir cette vidéo, mais malgré tout, on sait jamais. S'il y en a un, quand ça y tombe par hasard, intéressé. Oh, tiens, oh, je suis intéressé, dis donc. Oh, je vais essayer, pourquoi pas, hein. Voilà. Bon, même si c'est une qualité de merde, hein, c'est pas très grave. Hein. À la limite, vous mettez la fin. Non, le mieux, c'est qu'il y ait la vidéo en entier, en fait. Pour vraiment éviter les triches, quoi. Non, franchement, le mieux, c'est que la vidéo est en entier. Ouais, franchement, envoyez-la moi en entier. Comme ça, au moins, je regarderai de toute façon un endroit. Hein, je mettrai World Record, kill, ou tête kill. On va mettre kill tête, mieux. Kill tête, enfin 100% kill tête, machin. Je mettrai un dossier, tout ça. Je mettrai les vidéos dedans, complètes. Par contre, je les diffuserai, mais pas complètes. Bien entendu. Je ferai des morceaux, enfin, suivant combien ça dure, mais. Je ferai des morceaux, mais vraiment, envoyez-les moi en entier. À la limite, vous faites une chaîne. Putain, le problème, c'est si vous n'avez pas plus de 15 minutes. Alors, comment vous pouvez me l'envoyer, franchement? Je vais faire des recherches. Et puis, je vous mets ça en description. Ça vous va? Voilà.
Donc, bah, si vous avez une chaîne. Ouais, mais c'est débile, du coup. C'est débile. Si vous avez une chaîne, ça sert à quoi de me l'envoyer? Autant le mettre sur votre chaîne. Hein. C'est complètement con ce que je dis. Bah, je sais pas, vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous avez une chaîne que vous avez des durées de plus de 15 minutes, enfin que vous pouvez mettre des vidéos qui durent plus de 15 minutes, vous mettez la vidéo sur votre chaîne, et je la prends, et puis après, voilà, je la mets sur ma chaîne, tout ça. C'est comme vous voulez. Ouais, bah, je m'en fous. Hein. Bah, je fais ça pour ceux qui ont pas vraiment de chaîne, qui voilà, enfin bon, c'est pour y mettre. Mais c'est vrai, quoi, si vous avez une chaîne, c'est vrai que c'est un peu con de me l'envoyer. Donc, du coup, je sais pas. Donc, je vais faire des recherches, comme je vous ai dit, et puis je vais mettre ça dans la description. Voilà. Donc, du coup, bah, je vous dis à la prochaine. Bonne soirée ou bon après-midi.